le printemps arabe va forcément favoriser l'éclosion d'un cinéma arabe plus libre, aussi bien à l'intérieur des pays arabes qu'à l'extérieur. À l'extérieur, déjà, il y a plus de curiosité à cause de ce phénomène inattendu qu'était le printemps arabe, alors que jusqu'à présent, on était un peu dans les clichés. Moi, quand j'ai présenté un scénario en Europe, on me disait « Oh, en ce moment, la seule chose qu'on veut attendre des pays arabes, c'est des films qui dénoncent le terrorisme, qui montrent plutôt des films violents, alors que vous, vous faites des films plutôt poétiques. » Et puis là, brusquement, on veut savoir plus sur cette société qui a initié le mot « dégage » qui est parti de Tunisie et qui est arrivé au Caire et qui est maintenant, tous les indignés du monde entier disent « dégage ». Alors je pense que à l'extérieur, il y a plus de curiosité, mais à l'intérieur aussi. Par exemple, si vous voyez en Tunisie, pendant le mois d'octobre, là, les gens regardaient, ils ne regardaient plus du tout avant la télévision nationale, parce que c'était la télévision avec le discours un peu de la dictature précédente. Et là, pour vous donner un exemple, la chaîne nationale tunisienne que personne ne regardait, il y avait 38% d'audience en octobre, et Al Jazeera, qui était celle qu'on regardait parce qu'on n'avait pas de liberté dans notre chaîne, était seulement à 8%. Imaginez la différence. Au moment, ça s'est inversé. Et ce qui est formidable, c'est que grâce à Facebook, qui est un des moteurs de la révolution, il y a une liberté d'expression qui, à mon avis, restera, au moins pendant une première période, même si on a un gouvernement conservateur. Parce que là, je vois sur Facebook, là, on a un courant islamiste qui a eu la majorité aux dernières élections, pas la majorité absolue, mais quand même une majorité relative, et on s'aperçoit que sur Facebook, on peut caricaturer son dirigeant, on peut faire des blagues dessus, sans que quelqu'un vienne vous dire « comment oses-tu faire ça ?». Je pense que le cinéma va profiter de cette liberté d'expression. Il doit même la prolonger. Par exemple, en Tunisie, les nouvelles autorités après la Révolution, le ministère de la Culture nous a convoqués, il a dit « Écoutez, vous avez le droit de recommencer vos scénarios avec ce que vous n'osiez pas mettre avant, puisque vous faisiez de l'autocensure, maintenant qu'on peut tout dire. » Et effectivement, on a repris nos scénarios et on a réécrit en fonction de ce qu'on pouvait dire. Donc je crois que tout ça est extrêmement favorable. Mais il faut faire vite pour que ça devienne irréversible. Parce qu'on a vu beaucoup de régimes où, après la Révolution, très vite, un pouvoir autoritaire s'installe et puis interdit les choses et devient parfois pire que le précédent. Parce que parfois, une dictature idéologique est malheureusement pire qu'une dictature policière. Une dictature policière, on en voit les contours. On sait qu'il ne faut pas faire de politique directement, mais ça ne rentre pas forcément dans le cerveau des gens ou dans la façon de s'habiller ou de s'exprimer. Alors le risque est tel que, comme nous avons fait des élections démocratiques réussies en Tunisie et que tous les partis ont joué le jeu, y compris les partis islamistes, et qu'ils ont toléré ou accepté la règle du jeu qui est la liberté d'expression, il faut que le cinéma s'empare de cela pour le rendre irréversible, pour qu'on ne puisse plus revenir en arrière, pour dire « Écoutez, on a pris l'habitude de vous critiquer dans le cinéma, vous n'allez pas maintenant nous dire, après la Révolution, qu'il faut qu'on s'arrête, qu'on se censure. » Alors, mais il faut que je parle du volet économique aussi, parce qu'on ne peut pas avoir de liberté d'expression si on n'a pas de production. Et la production chez nous ne peut pas fonctionner qu'avec l'aide du Nord. On ne peut pas tout le temps demander au Nord de nous aider. Il faut atteindre l'autosuffisance économique. Alors un pays comme le Maroc, il a atteint cette autosuffisance. Parce que le Maroc, tout simplement, il a eu l'intelligence de prendre de l'argent dans l'audiovisuel pour financer l'audiovisuel. C'est un peu ce que fait déjà la France depuis longtemps, l'Espagne. Et le Maroc a fait une loi en 1997 que 5% des recettes publicitaires des télévisions vont être versées au centre du cinéma pour faire des films marocains. Ben, le Maroc faisait comme la Tunisie 2 à 3 films par an, ils en font presque 20 par an. Donc cette idée d'autosuffisance économique, ça serait une stratégie formidable pour les pays arabes, et là Euromed Audiovisuel peut beaucoup aider à ça, c'est que l'idée, c'est première étape, s'organiser à l'intérieur pour que tout ce qui est diffusion d'images, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les petits téléphones portables, que ce soit la télévision, reverse même un petit faible pourcentage de son chiffre d'affaires au cinéma, afin que ce soit l'audiovisuel finance l'audiovisuel. Et puisque maintenant on peut même voir des films sur le téléphone portable. Et ensuite, ça c'est la première étape. Une fois chaque pays ayant organisé au niveau national son autosuffisance économique, ça c'est vraiment la chose nécessaire, alors on pourra ensuite faire des réseaux entre pays qui sont déjà autosuffisants, qui n'ont plus besoin. Et là, la fameuse coopération Sud-Sud, qui est aussi un des buts de l'audiovisuel, de Euromed Audiovisuel, pourra fonctionner. Et là, Euromed Audiovisuel peut beaucoup nous aider, parce que pour faire un réseau Sud-Sud, on a besoin de statistiques, savoir ce qui se passe, d'accorder les lois. Et ça, c'est le travail de Euromed Audiovisuel. Ça a beaucoup nous aider à plus tard nous prendre en charge nous-mêmes. Voilà.